Salut! Bonjour à tous! Je vais mettre comment comme ça? Alors là, cette fois-ci, je vous fais une vidéo. J'en ai fait une hier, hein, mais je l'ai pas sortie parce que ça c'est cafouillé entre mes messages SMS, mes vidéos messages, mes vidéos là. Et mes vidéos là, une catastrophe. Bon, bref, je suis au bois. Il fait. Avec Arthur, là, il est là. Là, il vient de passer en short. Là, il a mangé la bouteille d'eau. Ça va que je bois pas beaucoup d'eau. Bon bref, il fait chaud hein, la vache, je suis complètement trempé. Et encore, il y a des nuages. Il fait au moins 35 degrés là. Et on est bientôt au mois d'octobre. Bon bref, je retourne dans l'autre sens. Ah voilà, bon bah petit chargement, bon chargement. Ah, là je peux aller dans le bois encore avec. Oh, je vais me retourner quoi, tiens. Je peux encore aller dans le bois avec le camion. Voilà. Bon là ça se termine sérieusement. Bien bon. Je vais aller charger ça, parce que terminé. Bon là j'ai une petite 45 minutes, 1 heure de route, je rentre, puis je vais aller vous filmer ce que Lolo a fendu. Puis voilà. Puis cette magnifique lampe que je vous ai filmée hier, mais j'ai pas pu. Parce que ma vidéo merdait. Faut que je regarde qu'est-ce qui est potable dans les. Dans tous les bouts que j'ai. Ah. Bon j'ai tout coupé avec la 7000, la 7910 là-haut. Elle va vraiment bien, j'en suis content. Même dans les gros. Alors, c'est pas aussi puissant que la 660, mais c'est aussi puissant qu'une 508. Voilà. Là, il me reste encore 50 austères là-bas à ramener. On va aller voir. On voit que dalle, vingueux. Il me reste encore une bonne cinquantaine là-bas. Ah, le petit chemin de la brouette. On croirait presque un quad comme ça, mais non, c'est la brouette. Ah bon, il me reste ça à sortir là. Alors, ah, il y a encore des têtes là-dedans, mais il faut les sortir. Juste les ramener là au bord là. Pour qu'on puisse les sortir de la merde là. Oh, il y en a encore là-bas derrière des têtes. Hein. Il y a encore une tête là-dessous, mais il n'y a plus grand-chose. Là, on a débité. Hein. Là on a enlevé, donc il reste 5 cistères là-bas de gros. Ah ouais, ça il va falloir qu'on le débarque plus près parce que avec la brouette ça commence à faire loin là maintenant. Bon là ça va parce que j'arrive à rentrer, mais putain, je pourrais plus rentrer. Bon là c'est pareil, là il y a 5 cistères là. Il y a une grande pile là. Une grande pile là. Ah, il reste encore tout ça à sortir. Et d'ailleurs, il y en a encore du scié, tiens. J'avais pas fait gaffe. Il y a encore deux brouettes de scié, là. C'est la charbonnette de Lolo, ça. Voilà. Et là, il y a encore des têtes là-dedans. Ah non, il y a encore une brouette. Joyeux, elle t'a plus gros que ça. Bon, bref. Ah, et puis là, il y a encore des têtes, là. Là. Là-bas. Dans le fond là-bas il y a encore des têtes à faire. On va essayer de les faire quand même. On va les laisser dedans. Voilà, petit tour de chantier rapide. Bon, je pense qu'il reste une quarantaine de têtes. Peut-être 50, je sais pas. Il y a encore un peu de boulot. Hein. Bon, je vous reprendrai à la maison. Ah Arthur, qu'est-ce que t'en dis toi? Ah, bientôt 9 ou 10 mois, je sais plus, je crois que ça doit être 10 mois. Hein, il faudra changer de collier. Il m'arrive à la ceinture. En étant debout. Voilà, ses épaules sont au niveau de ma ceinture. Ben, il fait 90 cm aux épaules, quoi, à mon avis. Hein. Commence à être grand le copain. Bon ben voilà. On fait le tour. Bon là l'avantage c'est que là en ce moment il fait tellement sec. On peut aller partout. Alors, ah, petit repas crescendo avec Lolo. Ah, t'as pris quoi Lolo? Hein? T'as pris quoi Lolo? Une assiette de légumes. Une assiette de légumes. Bon, la grosse salade, ça partager. Hein. On va se la partager.
ça coûtait moins cher. Bon, j'ai pris des steaks parce qu'ils font plus de bœuf chez Crescendo. C'est ou deux steaks hachés ou rien. Donc bah, c'est tout, faut faire avec. Ah Lolo. Ouais, c'est on est au clair là. Bon après il est 18h mais j'ai pas mangé midi moi. Du coup j'ai faim. Très faim. On va manger ça. Tiens, tes concombres ils sont de ce côté-là. L'assiette de l'oignon. Ça veut dire qu'une assiette purée est plus petite. C'est ça. Bon appétit hein, si on a qui mange. J'attends l'heure de le sortir, ça m'étonnerait. Avec le fond, on sait jamais. Ah, du goût steak haché, frites, patates, sauce au poivre. Miam, 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 miam. Oh, Lolo me fait de la peine avec son assiette de légumes. Là. Bon, après, c'est pas cher, hein, 5 euros. 5,95 euros l'assiette de légumes à volonté. Je précise bien à volonté. Ça fait pas cher. Moi, c'est pareil, hein, c'est à volonté. Voilà. Même la petite assiette là-bas, hein, c'est 5 balles, on peut déjà bien la changer. C'est pas très cher ça va. Hein, qu'est-ce t'en dis toi? Ouais. C'est bon hein. Alors, qu'est-ce que j'avais comme bêtise? Rien. Allez, hein mon gros. Déjà la tronçonneuse est toujours là, donc t'as fait ton boulot, c'est bien. Ah, t'as un bon chien ça. Bon là on a fait une affaire avec les patates. Ah, 40 centimes le kilo. 9 euros les 25 kilos. Ça fait pas cher, hein. Surtout que c'est de la belle patate. Patate assez grosse. Pavillon. Donc voilà. Bon bah voilà, fin de vidéo. Alors, vous avez vu, fini, mais je suis comme en plein jour. Ah, voilà, c'est le projou du camion. Bon, j'en ai plus qu'un, faut que j'en rachète un et LED, ils ont grillé. Bon, après, c'était des LED de je sais plus où. Ah, sinon, la nouvelle lampe, j'ai acheté Parksai. Ah, bon, je suis assez content pour l'instant, ça fait deux jours là. Ça marche avec toutes les batteries bah par ça de la marque Lidl. On peut le mettre sur un trépied. C'est réglable. Alors je sais pas combien de temps ça dure, par contre ça éclaire. Vous allez voir, je vais vous montrer sur le spot du camion. Parce que là pour l'instant il y a le spot du camion. On coupe. Voilà. Là, il y a Arthur qui rentre passer dans les bûches. Bon bah là c'est sans la lampe. Hein. Là c'est avec la lampe. Et la batterie n'est pas chargée à fond, hein. La batterie je l'ai jamais chargée encore celle-là. Donc voilà. Ah, batterie, ça. Ouais, ça éclaire pas mal. Hein. Ça fait de la belle vidéo. Voilà. Je vais récupérer ma veste, sinon elle va être mouillée. On peut la poser comme ça, ou sur un trépied, peu importe. Elle est réglable en intensité, j'ai vu. C'est moins ou plus. On peut faire moins fort aussi, là. Je trouve le bouton. Le bouton, il est là. Voilà. Vous voyez, c'est moins brillant. Ensuite, elle éteint. Et ensuite, elle est plein pot. Ah, il y a le chien qui boit. Parce que le chien a soif. Après, je lui ai donné des chips au bacon. Bon, j'ai juste rangé ma veste. Elle s'est pas mouillée. On sait pas qui va pleuvoir, c'est qu'il y a la rosée du matin. Une grosse rosée le matin quand même. Bon, là vous ne me voyez plus, je sais. Là vous regardez le bois. Bon bah voilà, fin de vidéo. Là Arthur, tu fais la fin. Tiens, viens là. Viens. Viens à la lumière. Ah, fais coucou. Dommage que tu parles pas quand même. Oh bah voilà. Encore un peu de bois de ramener là. Bon là il y a du gros là que j'ai ramené. Maintenant bah il n'y a plus qu'à prendre.
Alors on va les mettre sur la... Oh, ça va, on arrive à les porter jusqu'à sur la fourneuse en 30, comme ça va le faire. Bon, ben voilà. Allez, salut!